Hello tout le monde, c'est Med, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc vraiment un peu particulière. Donc vous pouvez remarquer en haut à gauche, il est marqué appuyer sur la flèche de droite pour avaler le payholt. Donc c'est en fait, c'est pour vous transformer en animal, donc peu importe, ça peut être un oiseau, tout ça. Donc j'en ai déjà fait, j'avais fait déjà deux tests. Et donc voilà, donc on va tester, on va voir en quoi je me transforme. Bien sûr, si vous voulez vous retrouver votre personnage, soit c'est la flèche de droite aussi, mais maintenir, ou soit faut que vous mourrez ou vous suicidez, ou voilà. Bref, on y va, c'est parti. Le test, regardez, hop, il l'avale. Alors vous pouvez en trouver 80 dans la carte sur la map, donc il n'y en a que 80. C'est dans des petits bols, dans des petits vases plutôt. Donc voilà. Et ben voilà, je suis en coque. Voilà, je suis en coque. Donc voilà, en fait, je peux sprinter. Bien sûr, quand vous êtes un oiseau ou quoi que ce soit, ben, Vous pouvez voler. vous pouvez voler. Après, au plus que vous allez en haut de la map, au plus que, ben, voilà, on va essayer de prendre la voiture, on va tester, hein. Non, on peut même pas, hein. On peut pas. Donc voilà, en fait, je pense que quand les joueurs sont là, ils peuvent pas voir que vous êtes là. Bien sûr, vous pouvez pas prendre d'armes ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était un petit truc pour vous faire montrer l'exemple. Alors attention, il y a des gens, je sais directement dans les commentaires. Ah, t'es modder? Ah, en fait, non, non, non. C'est Rockstar qui ont mis ça pendant le confinement, tout ça. Ils en ont parlé un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu amusant, mais dommage que on peut pas prendre les armes. Vous imaginez des trucs. Et voilà, regardez le monsieur, il est là. Il me voit pas, il peut me. Voilà, regardez, il fait même pas attention que. Il y a un coq à côté de lui. Donc voilà, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. Et si j'en trouve, bah, pourquoi pas faire encore d'autres gameplay dessus. Donc voilà, le petit coq sur GTA, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour monsieur, tu me vois pas, hein? C'est con! Et voilà. Donc, si vous voulez retrouver votre apparence personnage, flèche de droite, maintenir flèche de droite, ou soit, bah, faut crever quoi. Faut mourir, faut que quelqu'un vous le tue. Donc je vais vous faire montrer, c'est parti, let's go. Alors normalement il faut attendre un tout petit peu. Normalement il faut attendre un tout petit peu, voilà. Bien maintenir à peu près aux environs de 3 à 5 secondes pour que votre personnage revienne. Et vous allez vous retrouver, si je dis pas de bêtises, voilà où vous allez vous retrouver. À l'hôpital, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une, comme entre guillemets, une drogue, attention hein, mais... Voilà, profitez-en, c'est limité sur GTA, c'est pas tout le temps. Donc voilà, amusez-vous et éclatez-vous à faire chier le monde. Après, je sais qu'il y en a, je pense qu'ils le savent. Il y en a qui savent pas parce que j'ai pas vu autre personne en parler. Donc voilà. Donc sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et si j'en trouve des autres, pourquoi pas en faire en plusieurs. Je vais essayer d'en choper la patate. C'est parti. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Med et moi, je vous dis ciao tout le monde.